À bord de ces deux grands cars climatisés, les éminentes personnalités et stars invitées par la première dame Dominique Ouattara pour le gala de sa fondation Children of Africa sont venues visiter le chantier de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, dont le gala qui se tiendra dans la soirée de ce vendredi permettra de recueillir les fonds nécessaires pour son équipement. Cet hôpital, plusieurs parmi ces personnalités présentes, ont aidé à sa mise en construction grâce à leurs contributions financières ou techniques. En effet, un premier gala de la Fondation en 2013 avait permis de recueillir d'importants fonds pour sa construction. Cette visite de chantier a permis à ses donateurs de bonne volonté de voir l'état d'avancement des travaux démarrer effectivement en octobre-novembre 2013. Ainsi, en 4 mois, l'imposant bâtiment est déjà sorti de terre et a déjà pris forme. Le maître d'ouvrage a rassuré les visiteurs que les travaux vont se poursuivre sans interruption car il n'y a aucun blocage au plan financier. Tout roule, a-t-il attesté. Les délais seront donc respectés. L'ouvrage sera achevé et livré au cours du premier trimestre 2015. La ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a remercié au nom du gouvernement ses donateurs pour leur contribution à l'action sanitaire du gouvernement en faveur de la réduction de la mortalité mère-enfant en Côte d'Ivoire. L'état des lieux étant fait, la première dame a lancé un appel à ses éminents invités pour l'équipement de cet hôpital qui est annoncé comme un hôpital de référence. Encore une fois de plus, vous remercier, vous qui êtes là aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement et surtout de vous intéresser à ce si beau projet qui, je l'espère, rendra beaucoup service aux populations. Vous avez vu la joie avec laquelle nous avons été accueillis. C'est parce que les gens ont vraiment besoin de cet hôpital. Après la visite de chantier, la visite de la case des enfants, le centre d'accueil créé par la Fondation Children of Africa pour les enfants de la rue, a constitué un autre moment important de cette matinée du vendredi. Les 56 enfants de ce centre d'accueil, 30 garçons et 26 filles, ont exécuté des ballets et présenté une fresque dansante de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue à leur marraine, la première dame Dominique Ouattara, et à ses invités. La première dame a saisi l'occasion de cette visite pour remercier au nom de sa fondation tous ses illustres invités. Une distinction particulière, le prix de la fondation Children of Africa a été remis à toutes les stars qui ont pris de leur temps pour venir soutenir l'initiative de la fondation.